Hello tout le monde, on se retrouve pour un retour de course. Je reviens du drive. Pardonnez ma dégaine, c'est ma dégaine habituelle dans les vlogs, donc dans les retours de course c'est pareil. J'allais pas me préparer, je me suis pris la flotte sur la tronche, donc j'avais pas trop envie de me préparer. Je suis allée chez Leclerc et Picard. Il n'y aura pas de prix dans cette vidéo, j'en suis désolée. Mais normalement il n'y aura pas de prix. J'ai pris des petits poissons panés au fromage que j'adore, j'en ai pris que deux. Parce que c'est mieux quand même que j'en prenne que deux. J'adore ça. Je vais pouvoir ranger au fur et à mesure, c'est cool. J'ai pris de la chair à légumes. Non, de la farce à légumes. Ouais, c'est pareil. C'est du porc et du bœuf. C'est pour faire des tomates farcies et courgettes farcies. C'est mélangé. Du vinaigre d'alcool. Ça, c'est pour détartrer. J'ai pris ça. Je trouve que c'est le mieux. Plus naturel, en tout cas. Alors ça, oui, c'est transformé, je l'avoue. Mais j'ai pris des saucisses de Toulouse, ça me donnait envie. J'ai pris deux pavés à l'échalote. Ça avait l'air sympathique. Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé des années, je crois. J'ai pris du jambon 4 tranches, la marque Repère, mais j'ai pris sans nitrite. J'essaie de prendre sans nitrite le plus possible, mais c'est beaucoup plus cher. Je trouve ça tellement dégueulasse, enfin bref. Un beefsteak, un autre à dire. Je suis mal cadrée, je suis désolée. Bon, l'important c'est qu'on voit les articles. Émincé de saumon fumé, aneth et citron. J'ai trop envie de saumon fumé. Je prends que celui d'Aldi normalement, mais il y en a plus. Depuis un moment, il y en a plus, donc je me suis tournée vers ça. C'est beaucoup plus cher pour les tranches qu'il y a, mais quand c'est des petites tranches comme ça, il y a moins d'arêtes ou pas du tout, donc c'est mieux. J'ai pris ceci pour cuisiner, donc c'est natevi, veggie, c'est truc végétal, je sais plus. Origine colza, machin truc. Ouais, c'est pour cuisiner, quoi. C'est tellement cher. J'en utilise pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris le tout petit format de 25 centilitres. C'est de l'huile d'olive de la marque Repère. J'ai pris des œufs, alors c'est 4 œufs frais de poule élevée en plein air, des gros. Il y en a que 4, parce qu'au final, les œufs, j'en utilise plus tant que ça. Donc, c'est un gâchis. Hein. J'ai pris un tout petit ketchup de la marque Heinz. J'ai pris une escalope de dinde. Fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ça, c'est pour une recette. J'en avais pas, de la fleur de sel. Le packaging, j'aime trop. Avec le truc en liège, comme ça, c'est trop mignon. Et la recette, je la ferai en vlog, donc si ça vous intéresse. J'ai pris ça, donc c'est un dessert. Enfin non, c'est pas un dessert. Je sais pas comment ils appellent ça. Aucune idée. Enfin, c'est comme un yaourt, quoi. Un yaourt végétal, soja, vanille. C'est un gros pot, hein. Ça, c'est en promo. Alors, c'est plein de protéines, mais est-ce qu'il y a des arêtes dedans? Je ne l'espère pas. C'est du macro, un acheté, un offert. J'ai pris, c'est la marque Repère. Oh, je suis désolée. Je filme vraiment n'importe comment, je suis vraiment désolée. Je m'installerai mieux la prochaine fois que je ferai un retour de course. J'ai pris aromates et muscadet et moutarde de Dijon. J'aimais ça avant. Je pense que ça n'a pas changé. Des pois chiches. Macédoine de légumes, c'est pour faire des cornets avec le jambon justement. Des haricots verts. Une petite boîte de thon. J'ai pris Eco Plus parce que c'était le moins cher. Je ne sais pas s'il est bon, on verra. J'ai pris ça pour mettre dans mes porridge de temps en temps. C'est des chunks 3 chocolats. C'est pas donné pour ce qu'il y a dedans. On se rend pas compte dans le drive. Mais il y a des trucs, c'est carrément moins cher dans le drive, quoi. Et c'est la marque Vahiné. C'est pas pour tout le temps, ce sera pour l'occasion. Parce que, à mon avis, c'est bien calorique. J'ai pris du thym en feuilles comme ça. La marque, c'est Sainte-Lucie. Il y avait rien d'autre, en fait. Il y avait plus marque Repère. Il y avait plus toutes les autres marques. Il y avait plus que celui-ci. C'est pour ma recette aussi. Il m'en fallait dans tous les cas. Et j'ai pris du double concentré en tube. Parce qu'au final, les petites conserves. J'en ai des toutes petites qui sont bien pratiques pour une assiette. J'en ai des plus grosses et au final. Bah, je mets pas tout et c'est du gâchis. Donc je pense que ce sera moins gâchis, ça. J'ai pris ma petite boisson végétale. J'ai pris deux soja vanille. Parce qu'au final, j'en ai encore. Et j'ai pris un noisette. Une noisette. Pour mes porridge, je vais ranger le frais et je reviens avec le reste. Alors, continuons. Une courgette jaune, vous n'allez jamais deviner le prix. Je vais vous le dire de toute façon, 1,50€.
Est-ce que c'est rare les courgettes jaunes? Dites-moi-le en commentaire parce que... Pff, abusé. J'ai pris des champignons de Paris, toujours de la marque Repère. De l'eau de banane, Eco Plus, elles sont bonnes, franchement, oui, elles sont bonnes. J'ai pris des pommes de terre sous vide comme ça, pour faire une poêlée ou je sais pas. J'ai pris deux patates douces pour la recette que je veux faire. J'ai jamais cuisiné de patates douces de ma vie, ça va être une première. J'ai pris deux tomates, je pensais que c'était des plus grosses tomates, c'était pour faire la farce de légumes. Mais en fin de compte, elles sont minuscules. Ce sera des bébés tomates farcies. Bon, c'est pas grave. Au pire, si ça va pas, je ferai juste la courgette. Et ça, je mangerai en salade. Je pensais vraiment qu'elles étaient plus grosses. C'est moi, j'ai pas dû faire attention. Par contre, je vois pas mes tomates cerises. Ouais, j'ai encore un sac après. Deux même. Donc, je pense que c'est dans l'autre. Des stress, Audrey. Ça sert à rien de stresser comme ça, voyons. J'ai pris 4 pommes gala. J'ai pris 3 avocats. Alors là, c'est vraiment... Quand je fais le drive, oui, je prends des fruits et légumes. Mais sincèrement, je les trouve petits, pas très beaux. Surtout en drive, ils mettent au pif et tout, je pense. Les légumes, les fruits, d'habitude, je les prends en grand frais. Et oui, j'ai pas encore été au marché, mais ça va pas tarder. Parce que là, franchement, là, je vois un truc, mais... J'ai pris 2 oranges. Sont vraiment petites quand même. C'est pour manger, donc ça va, c'est pas pour du jus. Hein. Mais ouais, ah, surtout celle-là, c'est vraiment un bébé. Mais bon, c'est pas grave, je la mangerai quand même. Et j'ai pris 3 poires conférence. Je vais ranger et je reviens encore une fois. En fait, parce que j'ai encore des fruits et légumes dans mon sac, donc je vais tout ranger après. D'ailleurs, j'aurai pas cette place dans mon panier à fruits. J'ai pris un lot de kiwi vert, comme ça, il y en a pas mal dedans, et c'est la marque Eco Plus, encore une fois. Je me souviens pas si j'ai déjà goûté. Je crois que si, ça va, c'est pas trop mal. Des fraises. L'année dernière, j'en ai même pas mangé de l'été. Bon, c'est la marque Eco Plus. J'ai oublié d'acheter du sirop d'agave. Ce sera pour la prochaine fois. Et franchement, je me suis dit pourquoi pas tester après tout. Je vous dirai dans les vlogs si elles sont bonnes. Mais j'avais très envie de fraises et de melon. Alors, le melon, c'est hors de prix. Et si je suis pas sûre qu'il est bon, non merci. Tomates cerises, j'y tiens parce que celles-ci elles sont chères, ça c'est les mélanges avec toutes les couleurs là, c'est mes préférées, surtout les jaunes, oh les jaunes, celles où il y en a le moins évidemment, mais c'est les meilleures pour moi. J'ai pris des sucrines de la marque Eco Plus, je vois pas trop ce que ça doit changer, que ce soit Eco Plus ou autre chose, 89 centimes là pour le coup vous avez le prix, il y en a 2, ça vaut le coup franchement, je vais me faire une salade. Une salade avec du saumon, un truc comme ça, en repas, je sais pas quand. Des petites tomates et tout. Une bonne salade composée, mais avec du saumon, de l'avocat et tout. Ah ouais, je vais me faire une sacrée salade. Pas aujourd'hui. Et j'ai pris du raisin, du raisin sans pépin de table. Et ça vient du Brésil, du Brésil. Une trop, d'un fois je l'ai pris. Alors moi je suis vraiment une grande fan du raisin blanc italien. C'est mon préféré de tous les temps. Même celui-là, il lui arrive pas à la cheville. Mais je l'ai trouvé extrêmement bon. Alors le fait qu'il n'y a pas de pépins. Ouais, je sais, c'est tout petit les pépins. On peut même les avaler. Hein. Moi, ça me gêne quand je mange du raisin, les pépins. Je sais pas, chacun ses goûts. J'ai pris un pack d'eau. Bon, le dernier sac. J'ai pris une bûche. C'est pas pour manger là. Ce sera pour des occasions. Ça va, c'est au congèle, donc ça va. Poire chocolat de la marque Repère, c'est une dinguerie. En fait, ma soeur en avait pris à Noël, des petites. D'ailleurs, c'est marqué joyeuse fête dessus, c'est pas grave. Et franchement, j'ai pris la poire chocolat et c'était délicieux. Mais je savais pas qu'il la faisait en grande, j'étais trop contente. J'ai pris des petites barres de céréales, la marque Nature Valley, protéines, cacahuètes et chocolat. 10 grammes de protéines et sans gluten. Donc c'est pas mal du tout. Et c'est quand même un grand paquet. Oui, il y en a que 4 dedans. Ouais, ça fait un peu cher quand même. Mais les barres, je les garde pour quand j'ai mal au cœur, par exemple le matin, ou quand je fais des chutes d'hypoglycémie. Donc j'en ai tout le temps chez moi, avec moi, dans mon sac. Tout le temps. J'ai trouvé des cracottes sans gluten. J'étais contente.
Alors, je sais pas si elles sont bonnes, je vous dirai aussi, mais c'est cool. Il y avait une promo sur ces petits gâteaux-là. Alors, c'est pareil, c'est pour quand j'ai mal au cœur, un truc comme ça. Prendre un petit sachet. C'est quand même sans sucre. Sans sucre. Le sucre est remplacé par autre chose. Il y a de la farine de blé, donc du gluten. On peut pas tout avoir dans la vie. Je suis toujours à la recherche de choses sans gluten et sans sucre, mais ça doit pas être évident. Mais écoutez, il y en avait un acheté et l'autre à moins 61%, un truc comme ça. Ils sont vraiment bons dans le café le matin, de temps en temps. C'est pas mal. J'ai pris du thé à la menthe Lipton parce que je n'avais plus de thé du tout. Et alors, la surprise, c'est quand j'étais dans Leclerc, il était à plus de 2 euros. Et au drive, il était à 1 euro et quelques, moins de 2 euros. J'ai dit, bah non, en fait, je vais payer moins cher possible. Donc, je suis contente, j'ai retrouvé mon petit thé à la menthe. Je pense que je m'en ferai un après. J'ai pris une petite sauce hollandaise. Vous allez voir pourquoi. Je suis désolée, il y a de la crasse, mais j'ai posé les sacs dans mon allée. Il a plu, c'est dégueulasse. Il y a toute la mousse et toit qui tombe et tout. Donc, c'est pas très... C'est pas génial. Passer un coup dessus avant de ranger ça. Vous allez voir pourquoi j'ai pris ça. Pareil, occasionnel, parce que je suis pas supposée manger du transformé. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien, j'en ai besoin. Parce que c'est déjà assez dur comme ça. Bref, je vais pas me justifier. Comme je disais, je refais des retours de course. D'ailleurs, vous allez être surpris et surprise. Mais si un commentaire vraiment désobligeant, méchant et tout, je bloque directement la personne, c'est terminé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est constructif, c'est pas méchant, ok. Mais le reste, c'est bon, basta. J'ai eu ma dose pendant 2 semaines, c'est fini. Donc j'ai pris ça. C'est des feuilletés françaises de gastronomie, attention. 4 feuilletés aux noix de Saint-Jacques et couleur d'Alaska. Écoutez, c'était pas trop cher pour ce qu'il y a dedans. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de colin et de Saint-Jacques dedans. Hein. Mais c'était pas trop cher. 6% de Saint-Jacques et 5% de Colin. Bon, après, il y a beaucoup de pâtes, beaucoup de... Je sais pas, de sauce, je sais pas quoi. C'était pas trop cher, regardez sur votre drive Leclerc. Si vous les avez, il y a aussi raclette et un autre poisson, je crois. Raclette, moi, il y en avait plus. Et puis, c'est peut-être mieux au poisson quand même, malgré tout. J'ai tenté. Je tente. J'ai pris du colin d'Alaska à la parisienne. Alors, vous savez, vous ne savez pas. J'ai une peur maladive des arêtes. Mais vraiment une peur. Hein. J'ai peur de m'étouffer ou qu'elle soit plantée quelque part. Enfin, une horreur. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai la phobie de ça. C'est pour ça que je me prive beaucoup de poissons. Et surtout dans le poisson blanc, c'est très dur de trouver les arêtes. Donc, quand je mange du poisson, je... Je l'apprécie pas vraiment en fait parce que je farfouille et quand je mâche genre je fouille limite avec ma langue dans ma bouche quoi. Enfin, c'est limite un travail, je travaille quand je mange du poisson. Bref, c'est marqué qu'il n'y a pas d'arête, possibilité d'en trouver, cas exceptionnel. Une fois j'ai acheté un truc Findus, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'était des fish and chips, mais de la marque Findus. Il y a les frites et tout avec. Et j'aime trop les fish and chips. C'est trop bon. C'était rempli d'arêtes. Est-ce que je suis tombée sur le mauvais? Ce serait bien mon style. Hein. C'est souvent pour ma poire, les trucs défectueux. C'était rempli d'arêtes. J'ai été traumatisée. J'ai plus jamais mangé de fish and chips. Et pourtant, j'adore ça. Ça fait des années. Et du coup, j'ai peur même des trucs, bah ouais, comme ça. Et même là, je voulais prendre du saumon sur le drive, j'ai regardé les avis. Dieu merci, il y a des avis. Merci aux personnes qui laissent des avis. Il y avait du saumon, ça allait, le prix c'était en sous vide, vraiment de la poissonnerie. Les gens disaient que c'était rempli d'arêtes, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quand même des limites. Bref, je pense que le mieux, c'est d'acheter son poisson, de le faire soi-même et d'enlever l'arête et tout. Enfin, je le ferai pas. Mais bref, j'ai pris ça, je vous dirai pour les... phobique des arêtes comme moi, si celui-ci y en a, s'il y en a beaucoup, s'il y en a pas. Je peux pas vous dire pour l'instant, mais j'ai tellement envie de manger du poisson, si vous savez. La sauce, c'est pas pour ça. Il y a déjà la sauce parisienne avec. Par contre, j'ai repris mes épinards à la crème. Oui, transformés, il y a de la crème. Je les adore. Alors, il y en a que 3 dedans, j'en mange pas des masses. Là, il m'en reste... Non, 2 ou 3. 2. Il n'y avait pas 3 avant. Oh, c'est cher pour 2 barquettes.
Il semble qu'il y en avait trop. Oh, je sais plus. Bref, on s'en fout. Il m'en reste une. J'en ai mangé qu'une sur l'autre. J'en mange pas tout le temps. C'est vrai que c'est mieux de manger des épinards. Des vrais épinards. Voilà. Écoutez, si ça, c'est mon style de plaisir, ça va. Franchement, j'ai pas trop culpabilisé. Donc, je suis allée chez Picard. Et j'ai craqué pour du filet de cabillaud. D'eau de cabillaud. Alors, Picard, j'ai demandé déjà à la femme, il y a quelque temps, la caissière, s'il y avait des arêtes dans les poissons. En général, ils mangent les produits qu'ils vendent. Hein. Et elle m'a dit qu'elle en prenait tout le temps, qu'elle a jamais eu d'arêtes. Et qu'elle aussi a une phobie des arêtes. Alors je me suis dit, bon, ça va, si elle est dans le même cas que moi, elle va pas m'étonner. J'ai regardé les avis. Aucun avis, vous savez, sur l'application, aucun avis en disant qu'il y avait des arêtes. Et c'est marqué qu'il n'y a pas d'arêtes. J'ai regardé sur internet, dans le dos de cabillaud, soi-disant, il n'y a aucune arête. Je prie pour que ce soit. Parce que ça me donne trop envie. Franchement, s'il n'y a pas d'arrêt de poisson Picard, alors oui, c'est cher, mais je prendrais que là-haut. Sincèrement, je prendrais que là-haut. Et peut-être à grand frais, parce qu'on m'en a parlé, soi-disant, il y a beaucoup de poissons sans arrêt. Je crois les personnes qui me l'ont dit. Je testerai peut-être. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la sauce hollandaise. J'en ferai un nature et un sauce hollandaise. Ou les deux, je sais pas. Parce que j'ai jamais goûté cette sauce, cette marque-là. La marque Repère. Donc, je sais pas. On verra. Et le dernier truc que j'ai pris à Picard. Alors oui, ça c'est cher. Picard, je vous mettrai peut-être les prix. Je vais essayer de vous mettre quand même les prix. Mais bon, ça va mettre du temps. Et ça sortira je sais pas quelle heure. C'est ça qui est chiant. Parce que là, il y a tout le montage à faire. Et mettre les prix. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui mettent pas les prix. Parce que c'est tellement long. Déjà, retrouver le prix de chaque article sur les tickets. En plus, le clair, c'est sur mon téléphone. Et je monte sur mon téléphone. À chaque fois, il faut que je quitte. Je mette en arrière, que j'aille voir le prix, qu'un machin. C'est hyper chiant. Donc, s'il n'y a pas les prix de Leclerc, je suis désolée. Picard, je ferai un effort avec deux articles, je vous les mettrai au pire. Ça, c'est cher pour ce que c'est, parce qu'il n'y a que 450 grammes. Mais je trouve que les fruits surgelés à Picard sont très bons. Et j'avais envie de fruits rouges. Les fruits rouges, c'est vraiment les fruits où il y a le moins de sucre, de fructose. Donc, c'est les meilleurs pour la santé. J'en avais envie. Voilà, fin de l'histoire. C'est tout pour Leclerc et Picard. Alors, Leclerc, j'en ai eu pour 114 ou 112, 110. Dans ces eaux-là, je sais plus très bien. Je regarderai sur mon ticket. Et par contre, j'ai des trucs à vous montrer. J'ai été chez Noz il y a quelques jours. Et chez Leclerc, j'avais fait quelques petites courses. J'avais partagé sur Instagram. Parce que j'avais plus envie de faire de retour de course. Je voulais partager ici quand même pour faire un retour de course complet sans les prix encore une fois. À part nous, vous aurez les prix, vous aurez le prix d'un truc dessus. Je vous montre tout, c'est pas grave. Je vais déjà ranger tout ce qui va au congélateur et tout parce que laisse tomber. Et je reviens tout de suite. Enfin, tout de suite pour vous. Au final, j'ai pas tout rangé parce que je dois faire ma miniature. Chez Noz, j'ai trouvé des pâtes comme ça. Donc c'est aux carottes, c'est sans... J'allais dire sans collagène, sans gluten. La marque Bonduelle, bon c'est un petit truc, c'est 250 grammes et 1,25€. J'ai trouvé du lait de coco, il n'y a pas le prix dessus. C'est quand même la marque Suzy One et c'est un 500 ml. Je trouve bien une recette à faire avec. C'était 1€ et quelques, je crois. En frais, j'ai juste pris des pavés gourmands épinards fromage. J'ai trouvé ça. Tartare 100% végétal au lait d'amande sans additif, herbe de Provence. Eh ben écoutez, pour changer un peu de temps en temps, on verra. J'ai pris du skir, parce que des fois j'ai pas envie de manger de fruits en dessert. Et je me dis, pour changer un peu, je sais pas si j'ai déjà goûté, si je vais aimer. J'ai pris par deux, parce que si j'aime pas, bah au moins. Ah oui, il y a du sucre dedans. 12,6 grammes pour un pot. Ah, il y a de la fraise. Bah, ça sera pour de temps en temps. De toute façon, ça va, il n'y en a que deux. Bon, j'enlève pas tout non plus, tout. Hein. J'évite au maximum le sucre, le gluten et compagnie. Mais je suis pas encore une pro. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie de le devenir. J'ai quand même envie de manger des petits trucs un peu sympathiques des fois. Quoi. Faut pas abuser non plus. Je veux pas non plus d'une vie de frustrée. C'est déjà compliqué le changement, alors bon. J'ai trouvé du pain aussi sans gluten. Alors ça, c'est hyper cher.
pour la taille des deux minuscules baguettes. Mais je suis pas une grande mangeuse de pain, donc je me dis... Testons. J'avais pris des lentilles aussi, et j'avais aussi pris des pois chiches la dernière fois. Des pointes d'asperges blanches. J'adore, mais les pointes comme ça, c'est très cher. Mais c'est ce que je préfère. Enfin, c'est très cher. Tout est relatif. C'est quand même cher, je trouve. Alors ça, c'est déjà dans ma bonbonnière. Ça va, j'avais encore les paquets. Non, c'est pas chocolat, ça c'est l'ancien paquet. J'ai pris fruits rouges, c'est pas celui-ci, c'est pas le bon. Parce que j'ai tout rempli là, ma bonbonnière, en rentrant avec les restes et tout. C'est fruits rouges que j'ai pris. Et par contre, celui-là, c'est le bon, c'est noix de coco, chocolat au lait. Toujours le même principe, ces barres-là. Je les trouve pas si mal en composition. Parce que je veux dire, oui, il y a du sucre. Ça, c'est sûr. Mais c'est une source de fibres et il y a quand même 5 céréales. Riz, maïs, blé, avoine, seigle. Et pour une barre, on a 1,2 g de protéines. C'est pas si mal. Et en sucre, pour une barre, il n'y a que 5,7 g. C'est beaucoup. Et en même temps, pas tellement, je trouve. Il y a moins de sucre que dans le Skyr. Donc, moi, franchement, je les trouve pas si mauvaises. En tout cas, celle-là. Celle-là, je sais pas. J'ai pas encore goûté. Je sais pas du tout. J'ai trouvé aussi des petits gâteaux. J'en ai déjà mangé un sachet. Il y en a 3 dedans. Cher pour ce que c'est, encore une fois. Mais des fois, quand on voit le prix des vrais gâteaux, au final, c'est pas si cher. C'est des gâteaux sans gluten, mais sucrés. Le cacao est tellement bon dessus. Par contre, c'est très étrange comme texture. Qu'il n'y ait pas de farine de blé. C'est assez pâteux. C'est pas mauvais. Je pense que dans le café, ça passe mieux. Mais c'est vrai que la texture est vraiment étrange. Je suis pas habituée, en fait. C'est moins bon qu'un pépito ou un granola. Et les deux derniers trucs, après, on a fini. Du riz complet. J'ai trouvé du riz complet. Je suis restée au riz blanc. Alors, pareil, j'ai du riz blanc. Je vais le consommer. Des pâtes et des vraies pâtes classiques, j'en ai. Je les consommerai. Mais pas tout le temps. De temps en temps. Mais je vais finir ce que j'ai avant de racheter que du complet. Voilà, voilà. Et j'ai trouvé des pâtes sans gluten. Alors, j'ai des pâtes complètes. C'est très bien aussi. Mais je voulais tester quand même sans gluten. Voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Enfin, c'est toutes mes courses. J'en ai pour un sacré moment. J'espère que ça vous a plu. Je suis encore désolée pour les prix. Je vais réfléchir si je les mets ou pas. Je pense pas, sincèrement. Peut-être juste les deux trucs Picard. Peut-être. Si j'y pense. Parce que là, il est quand même assez tard. Je dois faire le montage. La miniature, vous la mettez en ligne. Parce que je veux mettre une vidéo en ligne aujourd'hui. Il faut que je range tout, j'ai d'autres trucs à faire à côté. Enfin, en tout cas, j'arrête de blablater. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche, faire tout ce qui vous plaît dans la bienveillance. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo.